Sylvie? Ouais? Est-ce que tu connaîtrais ça, toi, une compagnie de location d'automobiles pas trop chère? T'as besoin d'une voiture? Ouais, Titlaine et moi, on va observer les oiseaux en estrie en fin de semaine. Oh, puis ta voiture est brisée. Non, elle est en parfait état. Mais c'est parce que j'avais pris une garantie 5 ans ou 30 000 km. Puis là, ben, on fraude le 30 000 km. Mais ça fait pas 5 ans que tu l'as? Non, 8, alors tu comprends. T'as fait 30 000 km en 8 ans? Ah, je le sais, c'est beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai eu des déplacements imprévus. Ah, Sylvie, t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais s'il te restait un peu d'espace publicitaire dans la prochaine revue. Oui, pourquoi? Oh, dis-moi pas que tu nous as trouvé un commanditaire après 20 ans à kilomètre-heure. Mettons, oui. Bon, ben, pas de problème. Combien il veut mettre? C'est plutôt comme une forme de contrat-échange. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'on ferait un peu de publicité dans notre revue pour lui, puis en échange, il me ferait un bon prix sur une Camaro 70 et... Non, Denis. Hey, on est une revue qui se respecte, là. On commencera pas à faire de la pub au premier venu parce que tu veux te promener avec un gros char. Hey, ça va être quoi après, là? Tu vas vouloir faire de la pub pour un motel parce que tu y as rencontré une cliente? Sylvie, juste une fois. Non, je ferai pas de passe-passe pour un caprice. C'est pas une caprice, c'est une Camaro. Qu'est-ce qui se passe? Denis veut se servir de la revue pour avoir un rabais sur une minoune. Hey, c'est pas une minoune, c'est une Camaro 70 et demi. Il y en est pas question. De quoi tu te mêles, toi? Denis, on a une image à respecter. C'est une revue d'envergure, là, pas un journal cheap de petites annonces. Regarde, c'est pas une grosse pub, là. À peine une demi-part. Denis. Arrête de m'appeler Denis, ça m'énerve. OK, d'abord, chose. Je suis l'assistante de Roxane, puis je suis sûre que dans ce cas-là, elle serait pas d'accord, donc c'est non. Oh, attention, tout le monde, on tue la une. Roxane, on peut pas tuer la une. On n'est pas un quotidien, on est un mensuel, puis la une est même pas faite. Ah, dans ce cas-là, c'est parfait, on floche tout ce qu'on a. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu une idée de génie. On va consacrer le prochain numéro au complet à un nouveau véhicule, la Phosphore. La Phosphore? C'est quoi ça? Écoute, c'est un véhicule extraordinaire là, qui s'en vient sur le marché. D'ailleurs, si vous voulez la voir, là, la mienne est dans le stationnement. T'en as acheté une? Ben non. La compagnie me l'a passée là, en échange de mon idée. Quoi? Tu t'es servi de la revue pour t'acheter un char? Ben non, ma petite Sylvie. C'est un échange de bons procédés. Non. Tu connais mon intégrité, Roxane. J'embarque pas là-dedans. Puis de toute façon, moi, j'ai des clients qui ont déjà payé leur page publicitaire. Ben oui, puis il me semble que c'est pas très bon pour la crédibilité de kilométrage de s'associer à une seule voiture. Ouais, de quoi on va avoir l'air devant les autres constructeurs? On s'en fout, là. Faut être moderne. Ça, ce qu'on fait, là, ça s'appelle du placement de produits. C'est-à-dire de parler d'un produit en le mettant en valeur sans que ça paraisse. Sans que ça paraisse? Notre revue va avoir l'air d'une brochure de garage de char. Denis, on se calme, là. Tu vas voir, quand tu vas faire l'essai routier, là, tu vas tomber en amour. L'essai routier? Non, il n'y en est pas question. J'ai une réputation à défendre et j'irai pas faire Magadon et perdre toute crédibilité. Moi, je peux le faire, l'essai, si tu veux. Du placement de produit. Que c'est ça? Mais c'est comme de la publicité, mais qui ressemble pas à de la pub. Oh, comme de la publicité subliminale. Mettons, tu sais, tu parles d'un produit comme si c'était naturel, mais t'es payé pour. Fait que tu vas comprendre que je peux pas embarquer là-dedans. Pourquoi faire? Ben, avec quoi j'aurais de l'aide de mes autres gros constructeurs? Une guidoune? Et voilà. Et tu sais que moi, je suis pas une guidoune, hein? Moi, je suis plutôt... je suis pur. Ben, professionnellement parlant. Ouais. Mais Roxane, pourquoi qu'elle fait ça? Ben, d'après toi, pourquoi? Pour l'argent? Écoute, ils vont lui donner plein de nanas, elle va s'en mettre plein les poches. Moi, je vous le dis, j'embarque pas dans son affaire de phosphore. Moi non plus. J'annulerai pas mes annonceurs pour plugger la phosphore pour faire plaisir à Mme Roxane Tremblay. De toute façon, là, le placement de produits, que ce soit pour phosphore ou pour d'autres choses, ça finit toujours par paraître. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, que Roxane est quand même ma patronne. Jean-Louis, si ta patronne t'a dit d'aller t'acheter en bas du pont, vas-tu le faire? Ça dépend de la hauteur du pont.
On laisse faire, on n'a pas besoin de lui. Juste le fait que j'ai refusé l'essai routier, c'est assez fait sauter toute la patente. Ah, Mélanie, j'espère que tu es toujours avec nous autres par rapport au projet de Roxane. Ben, je suis plus sûre. Comment ça, t'es plus sûre? Un matin, t'étais de notre bord. Dis-moi pas que Roxane t'a acheté. Non. Non, c'est juste que je suis comme en conflit d'intérêts. Mais quel conflit d'intérêts? Salut! Que tu fais ça, toi? Je suis venu signer mon contrat, pareil que je vais faire l'essai de la nouvelle phosphore. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'a pris d'accepter cette offre-là, toi? Ben, Roxane m'a demandé de faire l'essai d'une nouvelle voiture. Moi, je pensais qu'elle m'engageait pour avoir une deuxième opinion, mais si j'avais su que je prenais votre place puis que je faisais la job tout seul... T'aurais dit non. Non. J'aurais demandé plus cher. Regarde, Pat, t'as refusé de faire l'essai. Roxane se retrouvait sans personne pour le faire, ça fait qu'elle a engagé Francis. Oh, c'est faux. Moi, j'étais prêt à le faire, l'essai. Si j'ai refusé, là, c'est parce que j'ai de l'éthique professionnelle, moi. Il n'est pas question que je m'associe à un seul constructeur. Sauf s'il te donne des nananes pour que tu fasses une bonne critique du char. Quoi? Je te mets au défi de trouver un seul article dans ma carrière où j'ai privilégié un constructeur. Un. Ben, la fois où les Russes t'ont bourré de caviar et de vodka pour que t'écrives « Lada, la voiture de l'avenir ». Ça, c'est une exception, ça. Ah oui! Puis la fois des geishas au Japon? OK, mais je me suis peut-être laissé aller une couple de fois, là, mais c'est juste des petites faveurs personnelles. Là, on parle de la réputation de kilomètre-heure. Mais faites-vous-en pas, je vais faire attention à la réputation de kilomètre-heure. Même que ça va peut-être lui donner un petit élan de jeunesse, hein? De toute façon, Roxane n'ira jamais de l'avant avec un projet comme ça si ceux qui ont le plus d'ancienneté refusent. Ouais, mais moi, j'ai pas refusé encore. Je parlais de Denis et moi. Ah, Mélanie, t'es là. Est-ce que t'as contacté les gens de Phosphore? Ben oui, on les rencontre ce soir au Il Fifo, là. Ah, parfait! Écoute, t'es vraiment une très bonne assistante, hein? Ah, j'ai eu raison de m'écouter puis de t'engager. Ah, Sylvie, est-ce que t'as contacté tes annonceurs pour leur dire que ça marcherait pas ce mois-ci? Non. Comment ça, non? Parce que je te l'ai dit, il n'est pas question que je m'associe à ton placement de produit. Puis de toute façon, là, ça me prendrait un temps fou à rappeler tout le monde. Ben oui, mais t'as juste à faire du temps supplémentaire. Mais je peux t'aider si tu veux. Roxane, si tu tiens absolument à ce que ce soit fait, fais-le donc toi-même. Pas de problème. Hey, où, là, ta petite liste d'annonceurs que je les rappelle? Dans le classeur ici, celui d'en dessous, et dans les deux tiroirs de mon bureau. Jean-Louis, aurais-tu 2 minutes? J'ai tout mon temps. Hey, Romain! Hey, Nico! Ouais, ouais, tu finis ta journée de bonheur? Oh, ce n'est pas ce que tu crois, Jean-Nicolas. Ah non? C'est quoi, t'es rendu balayeur de vieux garage, c'est ça? Donc, je prépare la place pour l'arrivée de la nouvelle Phosphore. Ah, c'est quoi, ça? La Phosphore est une nouvelle voiture qui arrivera bientôt sur le marché et que j'ai décidé de promoter. De promoter? Oui. C'est un genre de promotion subliminale. Ça s'appelle du placement de produits. Je vais placer la Phosphore dans le garage, l'air de rien. Là, quand les clients vont rentrer, ils vont l'apercevoir, ça va s'imprégner dans leur cerveau, puis au moment où ils s'y attendent le moins, bang! L'envie d'acheter une Phosphore va les pogner. Ça marche vraiment? Il paraît. Hey, c'est pas un peu sournois, ton affaire? Oh non, jeune Nicolas, ça, c'est l'avenir de la publicité. Ah! Ben, c'est bien beau tout ça, là. Mais toi, là, ça te sert à quoi de faire la promotion de la Phosphore? Voilà où gît le génie de l'opération. Quand ils vont voir autant de clients acheter des phosphores, les boss de l'entreprise vont bien reconnaître que je suis le meilleur promoteur. Et? Eh bien là, ils voudront me remercier en m'offrant une multitude de contrats d'entretien et de réparation de phosphores. Tu vas voir, Nico, la ruelle va être bien pleine. Là, je vais être Germain Langlois, mécanique générale de Phosphore Inc. Voyons, Germain, là, tu y vas pas un peu fort, là? Tu penses que juste en exposant une voiture à la vue de tes clients, là, tu vas devenir Monsieur Phosphore? Ah, non. Pas juste en l'exposant. Faut aussi glisser le nom subtilement de temps en temps. Comme exemple? Ben, par exemple, moi, je fais plus de changement d'huile.
je fais des changements d'huile phosphore. Hein? Des jobs de body, fais plus ça. Des jobs de body phosphore. Tu comprends? Des alignements de alors, regarde, ça va, là. Regarde, je pense que j'ai compris l'idée. Phosphore. Hein? Ouais. Mais tu penses vraiment qu'en utilisant le mot phosphore partout, là, c'est... ça va fonctionner? Ou ça va fonctionner en phosphore! À quoi? Ah, c'est mon nouveau patois, phosphore! Oh, Germain! Non, c'est pas tout, ce Nicolas. J'ai pensé à une promotion extraordinaire. Ah, laquelle? À tous les clients qui vont rentrer dans le garage, je leur remettrai ceci. Un néon? Pourquoi faire un néon, là? Oh non, non. Là, tu vas pas faire la promotion des néons en plus. Ben non, Nicolas. C'est plus subtil que ça. Je lui donne un phosphorescent. T'as compris-tu, un phosphorescent? Oui, parce que c'est pas phosphorescent, un néon. C'est fluorescent. Oh, phosphore. Yes. Yes, mister. Yes, and... You can be assured that you will be reimbursed. Yes, and thank you for your comprehension. Yes. Comme vous dites, au prochain. Puis? Oh, il était pas très, très content. Alors, on s'en fout, là. Je veux savoir où t'es rendu. Ben là, j'en ai trois de faites, là. Juste ça. Ben... Roxane, écoute, moi, ils ne connaissent pas, hein, ces clients-là. Il faut que je commence par établir un lien de confiance, puis ça prend du temps. Laisse faire. Sylvie? Quoi? Est-ce que je t'ai déjà dit à quel point j'appréciais ton travail? Essaie pas avec tes minouches, Roxane, ça marche pas avec moi. Oh ben non, écoute, je suis sincère. J'ai toujours trouvé là, que t'avais une compétence qui n'était pas reconnue à sa juste valeur. Ah ben, c'est sûr, hein? C'est toi, ma bosse. Ce que j'essaie de te dire, c'est que il y aurait peut-être une façon de trouver un moyen pour reconnaître cette valeur-là, hein? Es-tu en train de m'acheter, Roxane Tremblay? Parce que ça non plus, ça marche pas avec moi. Ben voyons donc, Sylvie, pas t'acheter, mais... te louer un petit peu. Comment? Bon, tu sais, là, ta vieille voiture, toute roudrouillée, ta minoune, là, hein, qui tombe en morceaux, avec laquelle tu roules encore depuis 5 ans. Ouais. Ben, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait te trouver quelque chose de moins rouillé. Veux-tu m'offrir une phosphore? Hey, es-tu malade? Me vois-tu avec 4 enfants dans un char comme ça? Ben non, mais la compagnie fait aussi des minivans. Les dirigeants de Phosphore me donneraient une minivan. Donner, non. Mais je connais un concessionnaire qui pourrait te trouver quelque chose, écoute, que tu pourrais pas refuser. Ouais. Ah, mais non, 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 pas question. Je suis pas du genre à me laisser acheter par le premier venu. Là. J'ai des principes, moi, puis de l'orgueil. Ah oui? Oui, bon. Puis laisse-moi te dire une seule chose, Roxane Tremblay. Quoi? Quelle couleur, la minivan? Salut, Germain. Oh, phosphore, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est... la publicité subliminale. C'est pas ben subliminal. C'est plus agressant. Nicolas, fais-moi confiance. Retourne-toi. Ferme tes yeux. Ah. Et dis-moi, que vois-tu dans ta tête? Un espèce de gros tapon en salopette marqué phosphore dessus. Exact! Tu vois, ça marche! Ça s'est imprégné dans ton cerveau. Maintenant, Nico, est-ce que tu voudrais t'asseoir sur ma phosphore? Tu veux dire ta banquette? Que j'ai rebaptisé, ainsi que tous les accessoires dans mon garage. Tu vois, Nico, ça va fosser fort! Je fosse fort! Fosse fort! Elle a pas des jeux de mots plates en plus? Oui! Oui, on va vous offrir un rabais pour le mois prochain. C'est ça. Au revoir! Sylvie? Hein? À qui tu parlais? Ah!
un client régulier, là. Je lui expliquais qu'on pourrait pas mettre son annonce dans la revue ce mois-ci. Non. Dis-moi pas que t'as changé d'idée. Ben, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, hein? Puis, dans le fond, là, je me suis dit que c'était quelque chose d'excellent pour kilomètre-heure, hein? Ouais, je comprends, mais avec tout l'ouvrage que ça va te donner? Bah, quelques heures supplémentaires, ça n'a jamais tué personne. Non, je marche pas là-dedans. Qu'est-ce que Roxane a dit ou a fait pour te faire changer d'idée? Dis-moi pas qu'elle t'a acheté. Quoi? Tu penses que Roxane a réussi à m'acheter? Hey! Tu me connais mieux que ça, Denis Charest. Oh, Sylvie! Hey, tu vas être contente. La minivan se fait aussi dans le bleu. Ah. Quelle minivan? Ah, Denis, là, ça, c'est juste une petite marque là, de reconnaissance envers les employés qui se montrent dévoués aux initiatives de leur patronne. Non, je suis peut-être pas dévoué, mais je suis intègre, moi. T'as peut-être ton intégrité, mais nous autres, on a une phosphore et une minivan. Donc, si c'est comme ça que ça marche maintenant, j'accepte, je vais le faire, l'essai de la phosphore. Trop tard, Francis a été engagé. Ben, désengage-le, c'est moi le chroniqueur vedette de la revue. Non, Denis, la phosphore est une voiture moderne. Non, et puis? Ben, c'est parce que pour en faire l'essai, ça prend quelqu'un de moderne. Ouais, lâche-moi le moderne. Amène-moi-les ton Francis. Je vais le mettre dans ma petite poche en arrière. Denis, Denis, OK. Si tu y tiens, tu peux faire l'essai, mais avec Francis. Good. Tu vas voir, je vais faire de lui un vrai Jacques Villeneuve. Dernier. Ouais, mais toi, là, essaye pas de faire ton mononcle Jacques. Comment ça? Rentre pas dans le mur. Hey, Jean-Marc. Hey, Denis. Une petite frette, mon Denis. Ah, ben, non, une petite frette. Oh, mon Dieu, mais que se passe-t-il? Je suis venu avec de la phosphore. Sérieux? Ouais. J'en fais l'essai, puis j'ai pas le goût de me faire planter par le petit morveux qui sert de chum à ma fille. Très bien, que puis-je faire pour toi? Peux-tu me la booster? Mais pourquoi, mon cher ami? Car la phosphore est déjà une voiture extrêmement performante tout en étant économique et dans le vent. Longe-moi ton baratin, tu peux-tu mettre des chevaux sous le capot? Je ne sais pas si c'est sage de toucher à la mécanique d'une voiture aussi sportive qui présente déjà toutes les caractéristiques d'une voiture qui saura plaire à l'amateur de sensations fortes. Bon, c'est le fun, Germaine a active à cette heure. Non, ne t'en fais pas, mon vieil ami, car cette voiture présente déjà le parfait équilibre entre la puissance et le confort. Jamais! OK, OK, moi, voyez ce que je peux faire. Puis, comment ça s'est passé? Regarde-moi la face. Ben là, je remarque rien de différent d'habitude. Ça a pas marché, ça a été un désastre. Comment ça? C'était supposé péter le feu? Ah, ben là, pour péter, ça a pété, hein? Imagine-toi donc que M. Denis Charest a fait modifier sa phosphore par ton chum. T'es pas sérieuse? Ouais. Ce qui fait qu'en plein milieu de l'essai, le char a explosé. Le char a explosé? Oui. Oui, mais Denis, est-ce qu'il est blessé? Ben malheureusement, je sais un peu. Ben, des brûlures, là, aux mains, au premier degré. Mais c'est pas ça le pire. C'est quoi? Là, là, avec sa phosphore, il est rentré dans phosphore de Francis. Oh boy! Hey, ça a pas dû être beau. Oh, hey, une catastrophe. Non, non, mais là, là, ça veut-tu dire qu'on a perdu le contrat? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Oh non, non, hey, je me suis fait traiter de tous les noms, ce qui fait que je pense pas qu'on voit une phosphore dans la revue pendant des siècles. Mais oui, mais là, qu'est-ce qu'il compte faire avec le lancement? Ils vont le faire faire par Véronique Blackburn, là, dans sa revue Au volant. Donc, si je comprends bien... Puis une minivan? Ah, ben, oublie ça. Mais là, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec mes annonceurs? Tu vas les rappeler pour leur dire que ça revient comme avant. Oh, tu penses que je vais me taper ces téléphones-là une deuxième fois? Pas question. Tu t'en occupes. Jean-Louis, rappelle tous les annonceurs. Ben, c'est parce que là, en fin de semaine, j'avais une... Jean-Louis, c'est un ordre. Ben, si tu me prends par les sentiments... Explosé? Moi, explosé. Fallait me tuer avec ton espèce de char modifié. Oh, mais je savais pas ça, moi et Denis. Ouais, c'est pas grave, donne-moi une gorgée de petite frette, là. Ouvre la bouche. Ben,
Arrête de... Attention, la bouche est là, le gars. Pénètre-toi là comme il faut, là. Bon, tiens-la avec tes ménettes. Comme ça, les... les gens de chez Phosphore, ils n'ont pas parlé de moi. Que oui, mais pas dans des thèmes que t'aurais apprécié. Oh, zut! Adieu, veau, vache, cochon, Phosphore. Ouais. Je pense que t'es mieux de penser à autre chose. Je l'ai! Quoi encore? Une idée géniale, Denis, qui saura me propulser au firmament de la richesse. T'es sûr que ça va marcher, ce fois-là, là? Oh, oh! Ça va marcher en Ferrari! Ferrari! Viens-moi taper une idée. Ici Michel Barrette. Vous aimeriez revoir des épisodes de Kilomètre-Heure des saisons passées? Eh bien, bonne nouvelle, les saisons 2, 3 et 4 sont maintenant disponibles en DVD. Vous les trouverez maintenant dans tous les bons magasins.